Arrêtez-le! Au voleur! Hé, petit! Tu peux m'aider? C'est pas mon problème. Arrêtez ce voleur! Hé, tu t'en fiches. Tout le monde s'en fiche tant que ça les touche pas. Oh, qu'est-ce que c'est que cette tête de chien battu? Allez, fais pas la tête. On va voir un super concert, tu devrais venir. Le bonheur est un choix. Elle est cabossée! Ma voiture toute neuve! Le feu était orange! Personne ne s'arrête à l'orange! Sauf quand on respecte la loi, bien sûr! Ouais! Hey, c'était pas loin! Allons voir ce qui se passe! C'est ça? Vous... Oncle Ben! Oh! Oh, oh, Ben! Non! Pete. Non! Appelez les secours! Oh. Oh. Aide! Oh. Oncle Ben! Oncle Ben, accroche-toi! Oncle Ben! Allez! Non! Allez! Oncle Ben était mon rock dans un monde où tout me filait entre les doigts. Un monde où je vivais sans mes parents. Où la morsure d'une araignée génétiquement modifiée m'avait... transformé. Mais j'avais perdu Oncle Ben. En sa mémoire, pour Tante May, pour me racheter après avoir laissé filer celui qui l'a tué, je suis devenu un héros. Spider-Man. J'ai fait de bonnes actions, neutralisé un tas de sales types. Mais j'ai jamais trouvé l'assassin d'Oncle Ben. Un vide de plus dans une existence cruellement vide. L'homme qui a tué Oncle Ben court toujours. Et je le trouverai. Je renoncerai jamais à trouver l'assassin d'Oncle Ben. Jamais. Spider-Man! À toutes les unités, un suspect de cambriolage s'enfuit à pied à proximité de Tompkins Square Park. Homme blond, caucasien, porte des lunettes de soleil. Ça correspond à la description du type qui a tué Oncle Ben. Je ferais mieux d'aller voir.
Larry, ils sont lourds ces flingues, tu veux pas m'aider? C'est moi le chef ici. Ça veut dire que t'es censé faire ce que je te dis. Alors boucle-la et fais un petit effort. Le chef ressemble un peu à l'homme qui a tué Oncle Ben. Mais j'ai un doute. Il faut que je prenne des photos. Essayons de voir la tête de ce type de plus près. Celle-ci est à conserver. Non, c'est pas lui que je cherche. Qu'est-ce que... Je peux remercier mon instant. Spider-Man ! Ah, tuez-le aussi ! J'aimerais te dire que tu peux avoir une vie différente. Sans doute. Payer pour ce que tu as fait, Spider-Man! Quelle planète on appelle ça? Hey, je peux descendre! Allez, fais-moi descendre de là! La ferme! Montre-moi tes mains! C'est ton genre de chance. C'est pas toi que je cherche. Sauf si t'as fait enlever un tatouage. Non, 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 ça risque pas. J'ai peur des aiguilles et du vide. Donc j'aimerais bien descendre de là. Mais non, ça craint rien. Jusqu'à ce que la toile se dissolve. Mais la police te trouvera avant. Pitié, qu'est-ce que tu veux? Je pourrais t'aider à trouver le type que tu cherches. Fais-moi descendre. J'ai l'impression que tous les criminels se ressemblent. Les prisons sont pleines de types comme toi. J'essaie de retrouver celui-ci. Oui, j'ai déjà vu ce type. Il vend des armes à mon boss, Hermann Schultz. Je te conseille de pas me mentir. Oui, oui, c'est vrai. Je te jure, Schultz est parti négocier tout à l'heure. Je sais pas si c'est avec ce type, mais il va acheter assez d'armes pour affronter une armée. Une armée? Quelle armée? Les Russes. Ils s'arment, alors nous aussi. Les temps sont durs, alors forcément, il faut être prévoyant. Dis-moi où je peux trouver Schultz. Et t'auras le droit d'être attaché à... une bouche incendie. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est plutôt confortable, hein? J'aille au chantier tout de suite si je veux pouvoir trouver ce Hermann Schultz. Je vais prendre ces armes. Je crois pas que vous soyez qualifiés pour les utiliser à bon escient. Les armes sont à nous! Tu dois faire semblant de savoir ce que tu fais. Thank you.
voudrais mieux que personne ne mette la main sur ces munitions. En me concentrant, je devrais pouvoir localiser les autres caisses de munitions. Michel Kant, on peut le trouver. Jamais 203. Bam! Jolie dentition! C'est comme ça que vous traitez les clients? Je veux parler au responsable. Oh, monsieur Schultz! T'en fais pas, il te trouvera. Ok, j'avoue que je me la joue. C'est pour ça qu'on m'invite jamais au garde-gang. Je gâche toujours la fête. Oh, c'est toi, Schultz? Ton sbire m'a dit que t'étais moche, mais wow! Pas à ce point-là, non? Tu crois que tu me fais peur, Mariole? Je me laisserai pas avoir si facilement. Oh, allez, fais comme tes copains! Tu viens de t'acheter un ticket pour l'enfer! Non, non! Tu vas me le payer, salarié! Ou pas? Il paraît que les prisons se sont bien arrangées. Je t'en supplie, ne me tue pas comme les autres. On peut passer un marché. Les autres? J'ai de l'argent, des flingues. Dis-moi ce que tu veux. On raconte que tu fais des affaires avec ce type. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux savoir? Si tu veux retrouver le type de la photo, rends-toi à Alphabet City et cherche un marchand d'armes du nom de Carradine. Attends, je crois que j'ai son dernier numéro dans mon téléphone. Non! Oh, quel crétin! Je tenais tellement à obtenir des réponses que je me suis fait avoir comme un bleu!